Bonjour Yves Rome. Bonjour. Vous êtes président du Conseil général de l'Oise et depuis 2011 sénateur de l'Oise. Vous développez dans ce département depuis 2004 un plan d'équipement numérique avec par exemple l'opération Ordi 60. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi cela consiste ? Ordi 60, c'est l'attribution à chaque collégien de mon département, collège public et collège privé, de l'outil Ordi 60 pour contribuer à la réussite éducative et permettre au système éducatif d'accompagner l'individualisation nécessaire pour chaque collégien de notre département. C'est une opération qui aujourd'hui a contribué à la distribution de plus de 80 000 ordinateurs, mais qui s'est accompagnée également d'un plan plus global pour favoriser l'outil numérique à l'intérieur du système éducatif. La mise à très haut débit de l'ensemble des collèges de notre département, un ordinateur pour 5 à l'intérieur des collèges. Les ENT aujourd'hui déployés, PO60 qui retrouve l'ensemble des 60 logiciels qui autrefois étaient installés sur Ordi 60. Bref, c'est une action forte de ma collectivité pour contribuer à la réussite des collégiens et donner le sentiment d'appartenance à un avenir construit et solidaire pour toute la jeunesse de mon département. Revenons à l'espace numérique de travail que vous avez mis en place dans votre département. Cet espace numérique de travail concerne tous les collèges. Et quels sont les choix que vous avez faits pour ce type d'ENT ? La totalité des collèges sont outils d'espace numérique de travail. Le choix que nous avons voulu porter, c'est favoriser une action conjointe de toute la communauté éducative. Car pour contribuer à la réussite, certes, il faut des enseignants mobilisés, et il reste encore beaucoup à faire en la matière pour que les enseignants s'approprient l'outil numérique. Mais il faut également que toute la communauté éducative, à savoir les parents d'élèves, puissent être impliqués dans cette démarche participative qui vise à l'objectif de la réussite pour tous. Toutes les enquêtes montrent aujourd'hui que nombre de collectivités territoriales, les conseils régionaux, les conseils généraux investissent, et investissent même beaucoup dans le déploiement des ENT. Le problème est posé quant aux usages, et nombre également de collectivités territoriales s'interrogent sur la mise à disposition d'outils, de documents pour que les professeurs puissent utiliser au plan pédagogique ces espaces numériques de travail. Le problème est posé d'ailleurs du problème du livre numérique. L'éducation nationale a des efforts significatifs et conséquent à accomplir, car notre effort de dotation en matériel, je rappelle que j'ai également doté l'ensemble des profs de collège d'ordi 60 pour qu'ils puissent se l'approprier. Qui travaillent donc avec. Et qui travaillent avec, mais malheureusement, le rectorat avec lequel j'avais passé une convention qui devait viser à la formation des enseignants, dans le cadre de la RGPP qui a frappé la période récente que nous venons de connaître, tout a été supprimé et bien entendu, il y a un effort de rattrapage à accomplir. J'ai cru comprendre que le ministre de l'Éducation nationale actuel avait le souci d'associer les collectivités territoriales et la formation des enseignants à cet outil merveilleux qui est le seul outil susceptible de répondre à ce défi de l'éducation qui est l'individualisation. Car chaque élève est foncièrement différent, chacun a un rythme qui n'est pas le même que le voisin. Et j'ai constaté avec les professeurs les plus aguerris que l'individualisation devenait une réalité tout à fait objective. Des travaux personnels donnés à l'élève, à la maison, le retour par les mails directement au professeur, il y a là un champ d'investigation fabuleux pour favoriser la réussite éducative. Alors, vous présidez la VICA. D'abord, qu'est-ce que c'est que la VICA ? La VICA, c'est la plus grosse association de France qui regroupe l'ensemble des collectivités territoriales, agglomérations, départements, régions, plus de 230 collectivités adhérentes, 62 millions d'habitants couverts par la population dont s'occupent ces collectivités. Et ce sont des collectivités qui ont décidé d'agir dans la mise à haut débit, dans le passé, et demain, la mise à très haut débit de leur territoire, parce qu'il fallait relayer l'action insuffisante des pouvoirs publics, c'est-à-dire de l'État, mais aussi de ceux qui sont la cheville ouvrière de ces déploiements, les opérateurs. Alors pourquoi prenez-vous un service universel du THD, du très haut débit ? Parce que je considère qu'en matière d'éligibilité des territoires au très haut débit, il en est de même, comme ce fut le cas au XIXe siècle, pour l'alimentation électrique, l'alimentation en eau potable,
du dernier du hameau le plus reculé, du village le plus reculé, du département le plus dépeuplé. Vous avez été, il y a quelque temps, professeur d'histoire-géographie et vous avez été aussi conseiller en formation continue. Qu'attendez-vous de la refondation de l'école pour qu'elle joue un rôle dans la formation tout au long de la vie? Ben écoutez, c'était mon credo, la formation tout au long de la vie. Nous sommes dans une période où les évolutions technologiques, et d'ailleurs le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui en est tout à fait la preuve, évoluent très rapidement, de même les connaissances. Il faut donc, nous le savons parfaitement, qu'un individu occupera plusieurs emplois tout au long de sa vie de travailleur. Il est donc important qu'à chaque étape de la vie puisse être offert à l'ensemble des citoyens l'occasion d'acquérir de nouvelles connaissances ou de bénéficier d'une nouvelle chance, parce que les rythmes sont différents. On peut avoir une jeunesse agitée et ensuite l'envie de se rattraper, de se former à nouveau, de changer de métier. Et donc, bien entendu, l'outil numérique est indispensable à tout cela. D'ailleurs, pour vous en donner un témoignage tout à fait pertinent, nous avons fait travailler l'UNICEP pour que chaque parent d'élève puisse avoir d'un hors 10-60 un référentiel métier favorisant ce choix toujours délicat de l'orientation. Et quand un parent s'occupe de l'orientation des enfants qui découvre de nouveaux métiers, il peut peut-être avoir envie lui-même de changer d'itinéraire, d'aller se former et d'ouvrir une nouvelle période de sa vie dans des métiers qu'il aura ainsi découverts. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci à vous.